and the beers in the air. Aujourd'hui, lundi 18, Saint Plafond. Bonne fête à tous les plafonds. Bonne fête à tous les plafonds. J'ai la joie d'accueillir notre ex-star de la pub, Pub, devenu agrégé de journalisme, diplômé de l'Université de Melbourne, spécialisation science. Mes félicitations, chers collègues. J'ai travaillé comme une bête. De votre séjour en Australie, vous nous rapportez un document extraordinaire qui n'est pas sans rapport avec des événements récents dont Téléchat a été le témoin. Cramponnez-vous et regardez. Chat alors, les mêmes bestioles que sur les cassettes trouvées au dépôt des tramways. Il s'agit d'un phénomène incompréhensible qui est en train de transformer tout le paysage australien. Les choses n'arrêtent pas de disparaître et à leur place, on retrouve des cassettes comme celle-là. Ce sont des extraterrestres ? C'est ce qu'on se demande, mais nous, les chroniqueurs scientifiques, nous les appelons les bouffe-tout. Est-ce que vous en avez déjà vu ? Personne n'en a jamais vu. Ils sont petits ou ils sont grands ? Je n'en sais rien, puisque je vous dis que je n'en ai jamais vu. Mais comment ils se manifestent dans la réalité ? Eh bien, vous êtes là, en train de boire votre verre, vous vous retournez pour appeler le barman, et hop, plus de verre, plus de bouteille. À la place, rien qu'une cassette. J'en crois pas mes oreilles. Il m'est arrivé la même chose avec le piège. Mais pourquoi ils laissent une cassette ? Nous avons émis l'hypothèse que c'est pour marquer leur territoire et prouver qu'ils existent, puisqu'en fin de compte, ils sont invisibles. Invisibles ? Alors ils sont encore plus petits que les gluons ? On suppose qu'il y en a de toutes les tailles, mais ils appartiennent à un monde parallèle. Comment ça ? Eh bien, il pourrait y en avoir un, là, entre nous deux. Et je pourrais quand même vous donner la main à travers lui. Comme à travers un fantôme ? Oh, quelle horreur ! Bonjour Madame Lala, quoi. C'est drôlement chouette le nouveau studio, quoi. Vous n'avez pas entendu ce que vient de raconter Pub? Ils bouffent tout, je m'en fous, quoi. Ça ne vous fait pas peur? Ils vont pas bouffer mon trou, quoi. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de me l'agrandir, quoi. Bravo, petit, mais courageux. Téléchat écoute. Ici Albert, le dictionnaire de l'Académie. Bouffe tout, ça prend un F ou deux F? Je vais me renseigner, mon cher Albert. Bouffe tout, c'est avec un F ou deux F? Sans F, ils les ont bouffés. Sans F, il paraît qu'ils les ont bouffés, mon cher Albert. Oh, 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 comme c'est amusant. Si vous étiez toujours aussi drôle, je vous regarderais plus souvent. Et les câbles de téléphone, tu crois qu'ils les bouffent aussi? Je n'en sais rien. Mais maintenant qu'on a un spécialiste avec nous, on finira bien par le savoir. D'abord, une page d'anti-publicité. Raymond et Sophie, est-ce que vous avez des problèmes de pellicule? Oui! Est-ce que c'est très gênant? Non, parce que sur les spaghettis, on croit que c'est du parmesan. Sur les fraises, on peut croire que c'est du sucre en poudre. Mais ça fait très moche dans le café, parce qu'elle flotte. Voulez-vous essayer la lotion miracle nulle? Non! Et pourquoi, s'il vous plaît? C'est depuis qu'on a essayé la lotion miracle nulle qu'on a des pellicules. Et pourquoi l'avez-vous essayé puisque vous n'en aviez pas besoin? Eh bien, on croyait qu'elle ne pouvait pas nous faire du mal. La preuve est donc faite que la lotion miracle nulle est plus dangereuse qu'on ne croit. Encore merci, les produits nuls.
Avant de nous quitter, mon cher Pub-Pub, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos téléchatteurs? Qu'ils ouvrent l'œil et que si des choses disparaissent chez eux, ils nous envoient immédiatement les cassettes laissées sur place par les bouffe-tout. Nous les diffuserons si elles en valent la peine. Salut! Aujourd'hui, 10h30, c'est la Sainte-Aiguille. Bonne fête à toutes les aiguilles! Bonne fête à toutes les aiguilles! Aïe, je me suis piqué! Mais vous savez que c'est très bon de se faire piquer par des aiguilles? C'est peut-être très bon, en tout cas, ça fait pas du bien. Si, justement, mais il faut savoir s'y prendre. Regardez ce reportage scientifique. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé pour remplacer votre rubrique « Les nouvelles fraîches des bouffe-tout » Docteur Pub-Pub? Eh bien, puisqu'il n'y a plus de bouffe-tout, ma nouvelle émission s'intitule tout simplement « Nouvelles fraîches aujourd'hui, nouvelles fraîches de l'acupuncture ». L'acupuncture, comme c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est au juste? Regardez ce film tourné dans mon laboratoire de recherche. Ce costume allait vraiment très mal. Il est venu me voir en désespoir de cause. Qu'est-ce que vous lui faites? Eh bien, je repère les lignes de force, celles qui font des plis. Je les marque à la craie de tailleur. Mais là, c'est une épingle que vous mettez. Très juste, ma chère Lola. Les épingles permettent de savoir l'endroit exact où je devrais planter mes aiguilles. Ce costume-ci souffre plus spécialement du dos. Il a un vilain pli qui va de la colonne vertébrale à l'emmanchure. Je vais donc le piquer et le surpiquer pour rétablir son équilibre. Et maintenant, ce costume va mieux? Il vient juste de sortir de l'atelier, comme neuf. Regardez, il est là. Quelle mine superbe! Gluant du costume, racontez-nous votre histoire. J'ai été mal fichu dès le départ. Une jambe plus courte que l'autre et le dos qui tombait mal. Une maladie malheureusement trop fréquente dans le pape. Le pape? Oui, le PAP, le prêt-à-porter. Et vous n'êtes pas allé vous faire retoucher? On m'a rectifié au ciseau, déplacé les boutons, remonté l'entrejambe, rien n'y faisait. Qu'est-ce qu'il a dû déguster? Un calvaire. Alors un ami m'a conseillé de me faire piquer et j'ai découvert l'acupuncture. Docteur, s'agit-il d'une technique nouvelle? Pour moi, oui, mais on l'a pratiquée en Chine bien avant que nos costumes n'existent. Et où avez-vous appris à la pratiquer? En Australie, dans un jardin chinois, je suis tombé tout à fait par hasard sur un cactus qui était hyper expert. Merci, Docteur Pub-Pub, et à bientôt pour des nouvelles fraîches d'autres choses. À vous, gros chat. Pub-Pub, il n'y a pas à dire, il m'épate. Le chemin parcouru par ce singe depuis ses pubs ratées au début, il fallait le faire. Jeune, riche, intelligent, beau. Enfin, ça, c'est à vous de juger, hein. Salut. Et oui, je suis encore là, car ma collaboratrice Lola n'est toujours pas remise de son otographite aiguë. Quelle est cette maladie mystérieuse dont elle est atteinte? Le docteur Pub-Pub va nous l'expliquer dans sa rubrique scientifique « Nouvelles fraîches ». Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon laboratoire, mais je vous parle directement de la chambre de la malade. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que vous ressentez, Lola? Ça me gratouille, ça me chatouille. Sur tout le corps? Non, surtout à la base des plumes. Et vous avez des rougeurs sur la peau? Non, des signatures. Il s'agit donc bien d'un cas d'otographite aiguë. C'est grave, docteur? Non, bien soigné, les signatures ne devraient pas vous abîmer le portrait. Trop de vedettes ont été victimes de cette maladie qui débute généralement par une enflure de la tête et du cou pouvant aller jusqu'aux chevilles. Elle s'accompagne de bourdonnements dans les oreilles qui leur font croire que tout le monde parle d'elle. C'est ça, c'est ça. Il s'agit de la première attaque de la maladie. Ensuite vient l'irrésistible besoin de mettre son nom partout. Et enfin, c'est sur le corps lui-même qu'apparaissent les signatures. Vous permettez, Lola? Je préfère le faire moi-même. Oh là là! Quel magnifique symptôme! Aujourd'hui, Dendrevie 36, c'est la Saint-Symptôme. Bonne fête à tous les symptômes. Bonne fête à tous les symptômes. Quel professionnel! Même sur son lit de souffrance, Lola n'a pas oublié le saint du jour. Chapeau! Télé, ça écoute? Allô, Groucha? Ici, c'est Corinne, une chambre à air de vélo. Qu'est-ce que c'est qu'un symptôme? Eh bien, Corinne, le jour où vous entendrez « psss », ce sera un symptôme. Ça voudra dire quoi? Que vous allez bientôt vous retrouver à plat, que vous avez crevé. C'est ça, un symptôme. Ce sera mon dernier soupir? Pas du tout. Vous irez voir le docteur Pub-Pub, il vous collera une rustine, un petit coup de pompe et vous serez regonflé comme avant. Oh, j'ai tout compris. Merci, Téléchat.
Dis donc, moi aussi j'entends psst. Tu crois que je vais crever? Mais non, Duralo, c'est seulement parce que tu as de l'air dans les fils. Eh bien, j'ai rejoint le laboratoire du docteur Pupu pour l'émission Nouvelles Fraîches. Des nouvelles fraîches de quoi aujourd'hui, docteur? J'ai choisi de vous parler d'un sujet qui intéresse particulièrement les vieilles choses, le rajeunissement. L'expérience qui suit le prouve. Votre patiente est une chaise Louis XVI, une véritable antiquité. Oui, quand elle est venue me voir, elle était toute vermoulue, huissée jusqu'à la corde. Elle n'en avait plus pour longtemps. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, après lui avoir mis les quatre pieds en pot, j'ajoute à la terre un bon engrais qui est un mélange de mousse et de feuilles mortes pour lui rappeler la forêt de son enfance. J'arrose et je m'assieds dessus. Vous n'avez pas peur de la casser? Au contraire, c'est de cette chaleur animale qu'elle a le plus besoin. Les vieilles chaises, plus personne n'ose s'asseoir dessus. Elles perdent contact avec la réalité et se laissent mourir par manque d'affection. C'est pour ça que vous la caressez? Oui, et d'ailleurs, regardez, on voit déjà apparaître les premiers signes de rajeunissement. Oh, c'est pas vrai! Elle nous fait une branche. Eh oui, la sève circule à nouveau dans tous ses membres desséchés. Et bientôt, si l'on continue le traitement, elle s'épanouit et donne une superbe fleur. C'est un cactus. Oui, elle a retrouvé la fleur et le piquant de sa jeunesse. Où s'arrêteront la science et le progrès? Merci, docteur Pupube.